Mais le débat de 2017 ne peut pas être volé à personne. Il faudra tout mettre sur la table, tout dire. Dire que la République ne peut plus reculer, que nous ne pouvons plus accepter des syndicats qui se comportent comme des partis politiques, que nous ne pouvons plus accepter des mosquées chrétiennes où on vient défendre des idées qui sont le contraire de la République, que nous ne pouvons plus accepter une école où on ne respecte plus rien et où il n'y a plus d'autorité, que l'on ne peut plus accepter que des lycéens manipulés bloquent des lycées pour protester contre une loi dans laquelle il n'y a rien, où nous ne pouvons pas accepter que des gens qui n'ont rien dans le cerveau viennent sur la place de la République donner des leçons à la démocratie française. Nous ne pouvons plus accepter que des étrangers en situation irrégulière occupent des établissements publics ou des églises. Nous ne pouvons plus accepter qu'on conteste l'idée que la France a des racines, qu'elle a le droit à son identité. Mes chers amis, je sens monter l'attente. Mes chers amis, je sens que nous sommes tous sur le regard des Français.